Eh bien bonjour à tous, c'est DrakeLogan31, j'espère que vous allez bien les potes. Alors aujourd'hui, bienvenue sur mon premier tuto de Fishing Planet Simulator sur PC. Alors aujourd'hui, on est sur le nouveau lac qui est apparu, le lac Lone Star au Texas. Alors je vais vous montrer comment on pêche le panfish. Alors le panfish, ça va être très simple, c'est une... façon de pêcher qui n'est pas du tout cher et qui est très facile pour tout level. Donc déjà ça va pas être compliqué. Alors déjà c'est très simple, le panfish peut s'attraper avec un hameçon entre du 4 à du 8. Donc là par exemple je vais mettre du 4. Se pêche au ver de fumier comme ceci, et on va mettre une profondeur de 150, merde là je me trompe de côté, 150 mètres. Voilà, tout simplement, parce que c'est un endroit qui va être peu profond, donc il va falloir faire attention de ne pas s'accrocher. Donc, vu l'heure, ce n'est pas une heure, on va dire, assez avancée pour que la pêche soit bonne. Donc, regardez, je vais lancer juste à quelques mètres. Vous allez voir, c'est un spot à panfish. C'est très simple, il faut le lancer entre les deux nénuphars. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui est un peu pris. Vous allez voir, là on va attendre un tout petit peu. Bien sûr, ça ne va pas arriver du premier coup, il va falloir attendre un tout petit peu, bien sûr. Mais vous allez voir, ça va mordre. Il faut juste le temps, laisser le temps. Vous connaissez l'histoire pour ce jeu de pêche, hein, la pêche, ça vient pas du premier coup. Mais c'est un endroit pour panfish. Alors là, j'ai eu un petit freeze, c'est tout à fait normal. Hop, c'est normal. Regardez, qu'est-ce qu'on attrape, pardon, une perche soleil verte. On peut attraper un peu de tout. Donc c'est parti, ça apporte 2 XP. Alors pour les levels, alors les tutos sont faits pour ceux qui connaissent pas le lac, bien sûr, hein, je dis pas que c'est pour tout level. Donc voilà, tout le monde, il n'y a pas d'exception, c'est pour tout le monde. Donc là, vous allez attraper, comme vous avez vu, une petite perche. Vous allez attraper, c'est un petit endroit pour le panfish. Regardez, nous sommes à peine à 10 heures que déjà j'ai une deuxième touche, pardon, excusez-moi. Donc on va voir si je vais attraper du panfish. Façon, j'en ai attrapé tout à l'heure ici, donc il n'y a pas de raison que je n'en attrape pas un autre. Et je vais vous faire un deuxième tuto sur le même lac, mais ça sera avec un autre poisson, vous allez voir, avec une autre technique. Donc, on va attendre que ça mord, parce que là je vois qu'il tourne autour. Vous pouvez voir en bas à droite, oh là là, hop là. Oh, t'as l'air costaud toi mon gars. Qu'est-ce que c'est? Une carpe arlequin, donc c'est parti. Alors là, c'est des poissons qui sont vraiment pas très... XP, si on peut dire. De toute façon, je n'ai jamais attrapé un seul panfish qui rapporte beaucoup d'XP, mais c'est déjà pas mal pour se remplir sa nasse. Donc, évitez qu'on part bredouille. Est-ce que je vais en avoir un troisième? Un petit troisième peut-être pour la route. Ça devrait le faire. En plus, ce qui est excellent avec ce lac, c'est que j'ai oublié de dire, c'est que ce lac est totalement gratuit, donc on ne paye pas pour un voyage. Donc vous pouvez venir aller-retour autant de fois que vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment assez excellent parce que ça change du Missouri. Putain, encore une autre touche. Putain, j'ai failli le faire sortir du lac. Une marigane blanche. Hop, vous voyez, ça mord, franchement, ça mord. Problème, c'est que moi, je ne suis pas très panfish, mais je me suis dit autant montrer des petits spots où il y a quand même du poiscaille, autant montrer, ça peut quand même aider. Et je vous ferai d'autres tutos sur Fishing Planet, pardon, Simulator, pour vous donner d'autres petites astuces, et en espérant que ça puisse vous aider. Parce que quand je joue au jeu, on va dire, il n'y a pas une seule fois où je peux voir dans les commentaires
des autres joueurs qui demandent des conseils pour pêcher, savoir comment on fait, etc., etc. Ah, attention, une deuxième touche. Non, quatrième, pardon. Et vous voyez, je ramène, hein, franchement, carpe arlequin trophée. T'es bim. Dans ta gueule. Alors, je vais vous remontrer mon spot. Hop. Donc, on s'est mis là, entre les deux nénuphars. Voilà. Et ça s'appelle Home Sweet Home. Voilà. Et vous lancez sur. Entre ces deux nénuphars, pardon, je vais y arriver. Hop, on va lancer un dernier coup. Hop là. Vous voyez, c'est un simple lancer. C'est vraiment un lancer basique. Pas besoin de lancer très loin ou quoi. Donc voilà. On va essayer d'en attraper un autre. Donc vous voyez, c'est une méthode qui est peu coûteuse. Tout level. Tout ce que vous devez payer, acheter, c'est bon, déjà le verre de fumier qui coûte 4 dollars, il me semble. 4 dollars et les hameçons. Alors, hameçon, ça peut aller du 4, en sachant que pour ceux qui connaissent pas trop les méthodes de pêche, enfin l'équipement de pêche, encore une carpe, pardon, arlequin. Savoir que, hop là, je vais vous montrer. Plus vous descendez dans les chiffres, donc plus vous allez vers le 1, plus l'hameçon est gros. Ça, je dis pour ceux qui connaissent pas trop la pêche. Donc voilà. Donc le vert, je vais vous montrer combien ça coûte. Alors, on va aller là. Voilà. Tout ça, c'est ce que j'ai attrapé tout à l'heure. Alors 2 dollars, 1 dollar, 4 dollars, etc., etc. Vous voyez, déjà, bon. D'accord, c'est pas énorme, 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 mais ça vous rembourse carrément l'équipement que vous avez acheté. Donc, c'est assez raisonnable. Donc voilà, tac, 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 tac. Donc, à tout 10 dollars, etc., etc. Je vais vous montrer dans la boutique. Toc, toc, toc. Non, ça, c'est les licences. Je fais n'importe quoi. 6 dollars. Bon. Eh bien, ça m'a coûté 6 dollars alors que quand j'étais à la maison, c'était 4. Bon, ben c'est bizarre. Les montures, voilà, vous avez de l'hameçon. Donc là, du 10, c'est pas très gros quand même. 6, 8. Bon, il manque le 4. Alors le 4, faites gaffe, il faudra vous l'acheter. Et achetez-le avant d'arriver. Mais après, vous pouvez essayer les autres, ça marchera. Donc on va faire un autre petit coup de pêche. Un petit dernier pour la route. Et c'est là que ce petit tuto s'arrêtera. Au prochain poisson. J'espère que. Pour ceux qui connaissent pas ce lac et qui y vont pour la première fois, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Je vais faire d'autres tutos dans le même lac. Vous n'aurez qu'à voir les autres vidéos. Donc, le petit dernier. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Quant à moi, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à liker, à poser un commentaire et pourquoi pas vous abonner. J'ai fait d'autres vidéos assez sympas. Donc, si vous voulez aller voir, allez-y, il n'y a aucun problème. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos et de partager. Oh, la petite merde. Qu'est-ce que c'est cette merde? Des nez jaunes. Ah, enculé. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut les potes!